Salut les amis, c'est Raven 2800 et après ce super discours qui nous annonce donc que les sombrages sont prêts à se battre, on va donc faire les quêtes des sombrages. J'ai fait deux sauvegardes avec ce personnage, ça m'évite d'en faire 50. Rejoignez la rébellion des sombrages, c'est ce que je vais faire. Et il y a une autre sauvegarde que je garde de côté pour la Légion impériale. Comme ça vous pourrez voir les deux parties. Chaque partie politique entre guillemets qui dirige le bord de ciel. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué à Skyrim, hein, donc désolé si je suis un peu rouillé. Alors oui, j'ai changé de personnage, hein, un petit chaton avec Carjo, le super Carjo, que j'aimerais bien passer un peu en Dwemer, mais bon. Il avait pas envie de mettre... je sais plus quel équipement je l'avais donné, mais bon, il voulait pas le mettre, bref. En attendant, donc, on va commencer les sombrages. J'espère que vous allez aimer cette série de quêtes. Moi aussi j'espère je vais aimer, mais je pense que oui, on va bien s'amuser. Donc c'est parti les amis, on commence les sombrages maintenant. Seuls les imbéciles ou les courageux osent approcher un Jarl sans y avoir été invité. Je vous connais. Raven 2800, prince sur YouTube et master of the Booyah. Ouais, c'est un petit peu vantard de dire prince sur YouTube. Bref, juste un mec comme ça sur YouTube qui croit qu'il est drôle. Je crois que nous sommes déjà rencontrés. J'étais à Elgen. J'étais à Elgen. Ah, oui. Destiné au bio, si je ne m'abuse. Ta tête aussi, elle était destinée à être dans un cajot, mais bon, c'est pas grave. Hein. Un cajot, pas un carjo. Oh, enfin, ne prends pas pour toi. J'ai aidé Ralof à s'échapper, il a dit qu'il se portait garant de moi. On m'a rendu ma liberté, j'aurais pu aller n'importe où, je disais. Ouais. On va parler de Ralof, tant qu'à faire. Notre ami Ralof, hein, qu'on a aidé. Ralof est vivant. J'espère que c'est vrai. C'est un chic type. Mais il n'est pas encore rentré. Alors je vais devoir attendre son compte rendu. Pour l'instant, adressez-vous à Galmar. Je cherche toujours des guerriers compétents. Ce n'est pas tout le monde qui peut se vanter d'être sorti vivant d'Elgen. Il semblerait qu'on nous prenne tous pour des vauriens ces derniers temps. Tant que votre passé criminel reste dans le passé, et que vous vous battez pour moi avec honneur et intégrité, nous serons heureux que vous rejoigniez nos rangs. Oui. Ouais. Mais en attendant, nous avons une guerre à préparer. Bon, mais il a pas fini de parler, lui. Elgen, hein. Ulfric nous a raconté cette épopée. Si vous avez survécu à tout ça, vous pourrez sûrement m'être utile. Bah mais ouais, je pense d'abord, bien. D'abord, dites-moi, pourquoi des félins voudraient se battre pour Bord de Ciel? C'est bon pour les griffes. Ouais, on vient de se faire les griffes avec Carjo et on se dit que ça pouvait être sympa. Donc vous m'acceptez, non? C'est pas ce qu'il a voulu dire. Il n'y a pas de que des Nordiques à Bord de Ciel. Saignez de fesses, il faut passer par là. Il n'y a pas que des Nordiques à Bord de Ciel. Ou on va dire, je veux juste combattre l'Empire. J'encule l'Empire. Je les emmerde, ils ont voulu me buter. On va se venger. Je ne reprocherai à personne, ça. Tant que vous détestez l'Empire tout autant que moi, ça me va. C'est pour ça que je suis là, je veux me joindre à vous. Mais avant de pouvoir mettre vos talents à contribution, j'ai besoin de savoir jusqu'où vous pouvez aller. J'ai une épreuve à vous faire passer. Envoyez-moi tout ce que vous voudrez, ça me fait pas peur. Quel c'est genre d'épreuve? C'est une épreuve qui permet de jauger les hommes. Je vous envoie... Ouais, je suis un félin, donc au pire, je me compte pas. Si vous survivez, vous aurez réussi le test. Si vous mourrez, eh bien, vous ne m'auriez pas été d'une grande utilité de toute façon. Qu'y a-t-il sur l'île de la Serpentine? Un serpent? C'est là que les hommes viennent prouver leur courage depuis des siècles. C'est une étrange formation rocheuse, érigée par les anciens. Il y a quelque chose là-bas qui attire les spectres de glace. Si vous tuez un spectre de glace là-bas, je n'aurai pas besoin de preuves supplémentaires de votre talent. D'accord. Je vais aller tuer ce spectre, je reviens bientôt. N'est-ce pas ? Eh bien c'est parti, notre première petite épreuve pour montrer qu'on est un vrai bon petit sombrage. Allez tuer ce spectre de glace. Avec les sombrages. Donc là ils vont me dire, rejoindre la rébellion. Non, pas encore. Ah, c'est peut-être après alors. Donc c'est parti, on se casse. Hop. Alors je suppose que j'ai pas pu... C'est où? Merde.
Forcément, si vous me mettez pas ça dans le truc des quêtes, avec les sombrages. Tu es le spectre de glace. Alors, est-ce que j'ai une habitation ou un truc pas trop loin? J'ai ça. Mais Fort d'hiver est plus près. On va passer par Fort d'hiver. Allez, une longue route nous attend. Par contre, faut que je vérifie un peu mon armement. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce perso. Arc elfique, nanana. Flèche de barjure. Ouais. Pour tuer le spectre, de toute façon, je vais pas y aller grand chose de. Alors attendez, c'est par où? C'est par là-bas. Qu'allons-y. On va faire des petits bonds dans les rocheuses. Hop là. Ouais. Si je fais un gros bond là, ça va pas le faire. Allez, on tombe tout doucement, car Joe il va plus pouvoir me suivre. Allez, tout doucement, voilà. Voilà, voilà, tout doux. Voilà. C'est le mec qui commence à courir et tout. Non. Voilà. Non, c'est bon. Tranquille. Allez, normalement, j'ai juste à suivre un peu plus loin. Putain, en plus, il y a plein de neige et tout. Je n'ai pas peur pour mon poil. putain. Allez. J'avais envie de faire un petit félin, j'avais envie. C'est vraiment les deux seules races qui m'ont intéressé dans tout le jeu, c'est les reptiles. Et donc les argoniens. Et les félins, donc les cagites. Mais le problème, c'est que je suis trop habitué aux argoniens et j'ai trop l'habitude de rester sous l'eau un temps très long. Donc dès que je vois que la vie qui diminue, des fois je comprends pas, puis au bout d'un moment je me dis, tiens mais merde, il respire pas sous l'eau lui. Hop, donc voilà. Allez, mais monte. Voilà. Alors on approche d'une épave, je vais pas y aller tout de suite, hein, je vais pas m'aventurer. En plus il y a sûrement 3 tonnes d'ennemis. Bon, apparemment j'ai pas le choix. Donc hop, les dagues. Voilà, bon les flèches on va les garder dans le dos au cas où. Et puis on va aller avec cette dague là. Ah. Allez, voilà. Pas vrai ça. Hop. Bon, y'a rien d'intéressant de toute façon. Allez, oh la loi, viens. Hop là. Ah. Voilà. Oui, il y aura pas des gros finishes avec ça, hein, mais bon. Hop. On va quand même essayer de faire des gros finishes. Alors. C'est par là-bas. Ah, un animal sauvage. Je sais pas, c'est quoi? Loup des glaces, ah d'accord. Je t'avais pas vu mon petit loup. Mais reviens. Mais reviens m'affronter. Oh c'est pas grave. Voilà. Alors. Merde c'est par là-bas. Donc il faut aller tuer un spectre de glace. J'espère que je vais y arriver parce que ouah, wow, niveau 20, normalement, avec des bonnes armes et tout, ça devrait le faire quand même tranquille. Hein. Mais bon, je me méfie quand même. Hein. J'ai pas non plus une très grosse armure. Je me suis équipé, en fait, tout l'inverse de mon autre argonien que vous avez bien connu avec la guilde des voleurs et les compagnons. Je dirais vraiment, vraiment tout l'inverse. Hein. Armure légère, des dagues, arc. C'est vraiment, vraiment tout l'inverse. Hein. Là, ça va pas être le gros bourrin, ça va être vraiment... On va essayer d'être discret, mais bon, avec un spectre de glace, la discrétion, je sais pas comment c'est possible. Même si les gens vont peut-être se foutre de ma gueule, mais voilà. Allez. Hop. Et on arrive tout doucement à l'objectif, donc qui est là-bas. Hop. Je me rappelais pas que c'était par là, moi. Ah, si, oui, voilà. Ok. On va essayer d'y aller à l'arc. Infliger quelques dégâts à l'arc en étant discret, ça peut être sympa. Surtout avec... Voilà, un petit arc elfique. Et ça, c'est quoi? Fiche 30 points de dégâts de magie. Bon, je peux y aller avec ça. On va lui infliger des dégâts magiques à ce fumier. Allez, go. Chut. Du silence. Ne pas faire de... a pas remarqué. Allons-y discrètement. La proie est juste là.
affichée par ce marqueur en guise de flèche blanche. Il est là, analysant son comportement. Nous allons tenter un tir ajusté, surtout bien visé, et attendre qu'il se pointe. Nous l'avons eu. Et il nous a vu! It's time to taste the booyah! Ok, bitches! Oh, j'y vais en double daguer le flic au pire. Viens ici! Ah putain! Oh là là! Oh là là! Mais il. Ah, mais il cogne fort! Aïe! Ah non, c'est pas du jeu! Et reviens te battre! Je suis tout glacé là! Giorgio! Attaque! Giorgio, mais tu sers à rien! Attaque! Oui, c'est bien, Giorgio! À deux! Mais putain, je tape dans le vide! Yeah! Le spectre de glace, just taste the booyah! Oh, super cristaux en tout cas. Prendre flèche de parjure, je prends. Voilà, et voilà. Bien joué, Carjo, ce fut une excellente coopération. Rentrons à Vendôme pour dire oui, on a tué ton spectre de glace, c'était pas bien dur. Go! Allez, coucou le garde. Je suis de retour! Ah, ils sont encore en train de parler, mais sérieux, ça devient lourd là! Je ne sais même pas si elle existe. Les Jarls sont en. Ça doit être pratique de se parler comme ça, dos à dos. Je dois un verre à une flic. Il faut que je l'admette. Je ne pensais pas que nous vous reverrions un jour. Ça va, parce que t'as un ours sur la tête que tu dois te la péter. Vous avez l'étoffe d'un sombrage. Il est temps d'officialiser la chose. Voulez-vous conclure le pacte? Avant de rejoindre nos rangs, vous devez prêter allégeance au Jarl Ulfric Sombrage, futur haut-roi de Bordeciel. Vous devez également promettre d'accorder votre loyauté inébranlable aux autres Sombrages, à la nation de Bordeciel et à ses habitants. C'est la bonne attitude. En prêtant ce serment, vous devenez l'un des nôtres. Un héros du peuple. Un vrai fils de Bordeciel. Un sombrage. Répétez après moi. Je jure de mettre mon sang et mon honneur au service d'Ulfric Sombrage. Je jure de mettre mon sang et mon honneur au service d'Ulfric Sombrage. Jarl de Vendôme est véritable haut-roi de Bordeciel. Jarl de Vendôme est véritable haut-roi de Bordeciel. Que Talos m'en soit témoin, puisse ce serment me lier au-delà de la mort. Que Talos m'en soit témoin, puisse ce serment me lier au-delà de la mort. À mon seigneur ainsi qu'à mes frères et sœurs d'armes. À mon seigneur ainsi qu'à mes frères et sœurs d'armes, surtout les sœurs. Gloire au sombrage, les véritables fils et filles de Bordeciel. Gloire au sombrage, les véritables fils et filles de Bordeciel. Vive Ulfric! Ouais! C'est comme un match de foot. Ulfric! Ulfric! Wow! Wow! Maintenant, vous avez rejoint nos rangs. Donc, vous allez pouvoir m'accompagner au cours d'un petit voyage. Oh, tenez, puisque vous êtes un sombrage, maintenant vous devez en avoir l'allure. Ouais, mais non, j'ai pas vraiment envie de ressembler à ça, je suis très bien avec mes trucs. Hein. Désolé. Oh, la couronne d'os. Très bien. Quelle est la mission? J'ai trouvé la dernière demeure de la couronne d'eau. Vous vous rendez compte? Enfin, je suis presque certain de moi. Nous nous dirigeons vers Corvanjund. Néanmoins, si le vieux roi Borgas est bien enterré là-bas, nous allons forcément rencontrer quelques obstacles. Vos confrères sont déjà en train de se rassembler aux abords du tombeau. Je vous retrouverai là-bas dès que j'en aurai terminé ici. Eh ben ok, c'est parti. Allons à Corvanjund. Ne m'attendez pas. Je parie. Ils exigent l'assemblée. Ouais, il continue de parler. En gros, il allait me dire, je parie que je vais arriver avant vous. Oui, c'est normal, le script.
Allez. Hop. Donc Orvan Jun, c'est... Ah bah je suis déjà allé en plus. Ça c'est vraiment parfait. Go. Ah bah dis donc, en effet, ils sont déjà arrivés. Salut Ilfil. Ha, je savais que vous seriez des nôtres. Hé hey, Ralof, mon ami. Mon ami Ralof. On va reprendre bord de ciel ensemble. Exactement. Je suis content de vous avoir à mes côtés. Cet endroit me glace le sang et je n'ai pas honte de le dire. En même temps, il fait froid. Ces anciennes ruines. Mon père me disait toujours de ne pas m'en approcher. Sage conseil, je pense. Oui, oui, moi aussi, mais je pense. Mais peu importe. Nous avons une mission à remplir et rien ne nous en empêchera. Yeah! Quelle est la situation? S'en fout de la situation, je te parle. La Légion ici. Maudits espions impériaux. Au moins, ça devrait être amusant pour nous. Ils n'ont pas encore l'air de savoir que nous sommes là. Oh yeah! Allons faire couler le sang impérial pour bord de ciel. Vous voulez bien? Pour bord de ciel! Voilà ce que j'aime entendre. Pour bord de ciel! Allons récupérer cette couronne. Ce n'est pas une coïncidence si ces impériaux sont ici. Leurs espions ont dû découvrir ce que nous savons sur la couronne et ils ne veulent pas que nous l'obtenions. Mais ils ne se mettront pas en travers de notre chemin. Je sais que certains d'entre vous faisaient autrefois partie de la Légion et que vous connaissez peut-être des hommes dans l'autre camp. Mais n'oubliez jamais qu'ils sont maintenant vos ennemis et qu'ils n'hésiteront pas à vous tuer. N'essayez pas de faire des traits d'esprit et veillez sur votre frère d'armes. Ulfric Sombrage compte sur nous pour rapporter cette couronne et nous n'allons certainement pas le décevoir. Suivez-moi en silence, faites vite. Je veux que leurs entrailles se répandent par terre avant même qu'ils n'aient détecté notre présence. Pour bord de ciel! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Allez, go! J'avance! Voilà, mais je fais pas de coup critique, c'est nul! Qu'est-ce qu'il a, lui, l'impérial de merde? Taste of Boria! Non, lui! Et. Boria! Ah, coup critique, ça fait plaisir, ça! C'est bon, ils sont tous morts? Bah, vous êtes un peu lent, les gars, hein! Rentrons! Alors. Qu'y a-t-il par ici? Oula, pfff! Cette apparition! C'est bon, on y va? Allez, go! Oula! On peut y aller discrètement, là! Surtout, ne pas faire de bruit! La discrétion est notre maître mot! Je suis apparemment détecté, que se passe-t-il? Choisissez un homme et descendez-le. Nous attaquerons à mon signal. Comment ça se fait que je suis détecté? Il tente de montrer ce que vous avez dans le ventre. Moi, je veux juste... Au bord de ciel! Chut! Nous allons donc les attaquer discrètement. Oh putain, mais où est la discrétion? Où est la discrétion là-dedans? Eh oui, parce qu'avec ce personnage, j'essaie d'être vraiment discret. Putain, chien d'impériaux! Oh, ce massacre! Peggy 18. Allez, go. Je te suis, mon ami. Calmar, voilà. J'ai oublié le nom. Montez la garde à l'entrée. Je ne veux pas que les impériaux nous prennent par surprise s'ils envoient des renforts. Les autres, vous venez avec moi. Ouais. Go. Allons chercher cette petite couronne. Il devrait y avoir maintenant des squelettes. Je sais pas plus comment... Ok. Laisse-le-moi. Oh non. Bah non, il a fait... D'accord. Faut pas l'énerver, le calmar. Faut pas l'énerver. Oh. Oh. Que des coups critiques. Oh, mais pas sur lui. Alors vous êtes nuls. Oh là, 3 impériaux, 2 coups critiques, d'accord. J'aurais pu au moins m'en laisser un morceau. Je n'aime pas ça. C'est l'endroit idéal pour une embuscade. Oh. Je parie qu'ils nous attendent de l'autre côté. Hey, il n'y a aucun autre itinéraire possible. Vous êtes catégorique. Alors je vous en prie, entrez donc. Nous allons rester ici et surveiller vos arrières. Vous avez des doutes?
Alors nous devrions peut-être prendre quelques minutes pour jeter un œil aux alentours, hein? Vous, le 109, essayez de trouver un autre passage. C'est bien, il m'appelle 109 pour pas m'appeler le bleu, quoi, le rookie, le tout ce que tu veux, le débutant, la merde. Bon, viens, Cardio. On doit apparemment se démerder. Et non, je ne fais pas gaffe à ce que je prends dans ces donjons parce que je m'en fous, ce personnage, c'est vraiment un perso que j'avais créé comme ça et je m'en fiche un peu, je veux dire, de pas avoir la méga armure de la mort qui tue sa race, quoi. Mais bon, à la limite, pour des potions et des gemmes, je veux bien. Hop, et puis ça, c'est juste pour le skill du crochetage. Allez. Ah, j'allais dire, je suis tombé sur le seul Khajiit manchot qui est pas foutu de... flèche or, quoi. De crocheter une serrure. Et un grenade. Voilà, allez, go. Il doit y avoir une autre issue quelque part. Là. Par là, il y a quoi? Soyons discrets, Cardio. Ouh, mais en effet, il y a du monde. Non, mais ils sont forcément par là. C'est le seul point de passage. Allez, taisez-vous ou notre embuscade va tomber à l'eau. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ont eu tellement peur de vous qu'ils sont partis. Trouvez-les. Mais lol, j'ai pas fait de bruit, faut arrêter un peu, hein. J'avance super lentement. Ah, furtivité augmentation jusqu'à 55. Je suis désolé les amis, mais là j'ai envie de... J'ai envie de... Comment dire, être discret et d'approcher par derrière et de faire un kill par derrière absolument magnifique. Mais en fait là j'ai l'impression qu'ils sont tous en train de crever. Non mais ça sert à quoi que j'arrive par la discrétion, nom de Dieu? Oh oui. Oh non! Mais chier, putain! J'arrive pas à être discret! Voilà! Putain, là ça m'énerve! J'arrive pas à être discret! Ils me gâchent tout, ces connards de sombrage! Les gars. Il y en a sûrement d'autres plus loin! Ouais, allons-y! Là! Ah ah. Non mais laisse-moi ça en morceaux, merde! Oh, mais il m'en laisse pas un bout! C'est incroyable ça, quelle bande d'égoïstes! Bon, ah, une petite portinette. Ah, un impérial mort. Un sublime drogueur, ou je sais pas comment on dit ça, drogueur. Hey, regarde, là il me manque un bras. Là j'ai un bras, là il m'en manque un, là j'ai les deux, tu vois. Ah putain. Bon. Apparemment maintenant on arrive aux morts vivants. D'accord, toi t'as tiré dans le pilier, c'est pas grave. Putain mais... Mais laissez-moi ça un morceau, mais bordel, Galmar, tu prends tout pour toi. Putain. T'as une grosse hache, ça veut pas dire que t'en as la plus, grosse, hein. Loin de là. Ah! Griffe d'ébonite. Alors, objet. Griffe d'ébonite, on a dit, hein. Là, d'ébonite. Putain, c'est quoi ça? De dragon en corail, ok. Hop là, un petit zoom parce que je vois rien. Ouais, on t'y voit pas forcément mieux. Donc, loup, papillon, ou dragon, je sais pas trop. Non, loup, papillon, dragon, voilà. Loup, papillon, dragon, parti. Non. Et voilà. Hey, c'est trop simple les amis. C'est vraiment trop simple. Franchement, c'était évident. Allez. Oula, dragon, dragon, dragon. Ouvre la porte, Otovakin. Allez. C'est par là. Et je passe premier cette fois, hein. À moi les premiers monstres. Il y a une odeur écœurante. C'est pas moi qui ai pété. Non, 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 c'est eux. Oh, une odeur écœurante, c'est eux. C'est pas moi, Cardio. Hein. Je vais pas commencer. Allez, les gars, dispersons-nous et évaluons la situation. Alors attendez. 109, faites ce que vous savez faire de mieux. Essayez de trouver un moyen de... Quoi, niquer des meufs? 109, est-ce que vous savez faire de mieux? Mm-hmm. Tu veux vraiment que je te le montre? Et par là, il y a quoi? Est-ce que ça mène à un escalier ici? Ouais, ça monte, parfait. Continue à
Alors, il doit y avoir un levier quelque part par là. C'est quoi ça? Une dague d'acier, non merci. Par contre, les grenages, je te les prends. Il doit y avoir le levier, il doit être quelque part par là. Il doit pas être bien loin. Un levier ou une connerie. Ah, voilà, poignée. C'est le truc que tu verras pas, tu vois, avec toutes les bougies et tout. Genre, non, non, c'est pas ça. Coffre et de l'or. Voilà, 19 pièces d'or, c'est bien, j'aurais pas à me prostituer. Alors. Putain, mais allez, fais une attaque de dos là. Non, t'as pas envie. Attention, il y en a encore un. Voilà. C'est tout bon? Espérons que nous n'en croiserons pas d'autres. Venez, allons voir ce qu'il y a par ici. Allons-y. Bon, allez. Allez, c'est parti, ça doit être la fin. Là, on est à la crypte, on est vraiment au plus profond de Corvanjund. Là. La couronne est là-dessus, je crois. Excuse-moi, ta couronne m'intéresse. Merde, Carjo, mais mets-toi pas devant. Non, oh, oh non. Mes dagues. Saloperie, où sont mes dagues? T'as cru que les dagues, c'était... Putain, oh putain, mais il cogne fort. Oh Dieu. Non mais sérieux, ouais bah. Ah, de toute façon, j'avais envie de crever. Non, en plus, c'est vrai, non mais... Au moins pour récupérer mes putains de dagues. Merde. Chur. Fichtre. Et c'est reparti les amis, c'est reparti. Cette fois, je ne me fais pas avoir s'il me gueule dessus. Déjà, pourquoi je n'utilise pas mes cris? A chaque fois vous me le dites, hein, mais j'utilise jamais mes cris. Voilà, déferlement, parfait. J'ai que le fusereau, hein, j'ai pas encore le da. Comme, je sais pas, comme Danao. Je sais pas, moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, hein, désolé. Alors, le seigneur, trop, hein. Non, me crie pas dessus, me crie pas dessus, me crie pas dessus. Oula. Y'a de quoi faire un cri, là-bas. Allez. Putain, mais ils sont... C'est moi qui suis nul ou quoi? Carjo, où es-tu? Mon ami Carjo, il est où? Ah, il attaque encore. Vas-y Carjo, défonce-le, le seigneur d'or, Carjo! Il a crié, il a crié. Là, j'arrive! Seigneur d'or! C'est de Bouya! Seigneur d'or! Ah, je l'ai eu! Je l'ai eu, je l'ai eu! Il suffit juste de péter les derniers et mes dagues ne font absolument aucun dégât. Angel, tes dagues, c'est de la merde! Voilà. Oui, parce que c'est Angel Dream qui m'a conseillé les dagues. Merde, merde, merde. Et y'a plus personne en vie là? Bah alors, ils sont bien d'un haut level. Ils sont bien d'un haut level. Ah, ils ont plus de vie, c'est bon, ils vont bientôt crever. Allez, venez! Comme Days de Bouya! Allez, les uns prisons, cette fois c'est moi qui me l'ai fini! Et d'un! Oh là, attention. Carjo! Il est toujours en vie, Carjo est toujours en vie. Carjo est toujours en vie, ça fait plaisir. Et voilà notre récompense, la couronne d'os. Pour ceux qui, avant que vous me posiez la question en commentaire, non, vous ne pouvez pas l'avoir autrement que par cette quête, et il n'y en a qu'une dans tout le jeu, et vous êtes obligé de la donner à Ulfric Sombrage. Voilà. Cela étant dit, je prends cette belle couronne, hein, qui est vraiment magnifique. Je prends rubis, gemme, et voilà. Portez la couronne à Vendôme aussi vite que possible. La peine de pointer ta hache là, vers moi. D'ailleurs, qu'à force de vous devoir des verres. Et de trouver quelque chose d'utile. Carjo est en vie, vous me devez des verres. Non, je déconne. Alors. Des verres de coca, bien sûr. Bien sûr. Alors. Oh, puissance! Temps ralenti. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment bien. Très bon cri. Et bon, vu que je tue pas de dragons en ce moment... c'est... Non, pas aujourd'hui, des dragons. Non, j'ai pas envie d'en tuer. Allez, viens, Carjo, on se casse d'ici. Et on va porter cette couronne à Ulfric. Pour la fin de cette petite vidéo. Alors, hop là, activé barre. Voilà. Cassons-nous, donc là, par là, voilà. Je sais pas si on croise nos potes, si, ils sont toujours là, oui, ils sont toujours là.
nos amis. Je suis concentré. T'as l'air été concentré comme ça, regardez là. Il va se réanimer là, je le sens là. Ah putain. Bon, vous êtes pas très bien caché, mais bon, ça ne fait rien. Je vais pas critiquer votre stratégie. Allez, go. Voilà. Bandit. Le pauvre bandit, tu sais, qui avait rien demandé. Il y a eu les impériaux, les sombrages. Voilà. Rien de moi ce massacre un peu. C'est marrant qu'il y ait des bandits. Sont les impériaux? Ah, ils sont là. Soldats impériaux. Vous êtes des merdes. Ulfric est notre dieu. En fait, j'ai pas envie d'aller tout de suite voir Ulfric. Je vais plutôt, je pense, y aller pour la prochaine vidéo. Comme ça, au moins, ça vous fait la fin de cette quête. Et puis, en même temps, le début de la prochaine. Hein, Cardio? Un petit mot d'au revoir, Cardio? Non, tu n'as jamais rien à dire, si? Le Khajiit surveille vos arrières. Très bien. Bon. Passez devant. Non, Cardio. Passez devant. Non, non, ça ne le fait pas. Eh bien, regardez. On va se mettre en mode full prestige. Prestige max avec cette couronne qui doit être en divers, je pense. Couronne d'os. Ah, moi, non, bah non, elle doit être en tenue, je suis con. Tenue. Couronne d'os, là. Regarde ça un peu! Alors, Cardio, j'ai pas la classe? Qu'est-ce que t'en penses, Cardio? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, moi, je trouve. C'est vraiment pas mal. Allez, Cardio, on se dit à la prochaine. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui est le début d'une longue série sur les sombrages. Vous inquiétez pas, ça devient extrêmement intéressant très rapidement avec la... non, en fait, je vais pas spoiler. Non, je vais pas spoiler. Vous verrez bien, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, vous savez ce qui vous attend. Hein. Donc, je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, à très bientôt tout le monde pour d'autres vidéos, que ce soit sur Skyrim, donc les sombrages, hein, maintenant. Ou autre chose, par exemple, j'avais envie de faire du Dynasty Warriors Gundam 3. Donc, on verra. J'espère, je pense en faire, hein, mais nous verrons. Donc allez, à très bientôt tout le monde, salut! And don't forget to taste the booyah! Ah, Cardio, le booyah! The booyah! Voilà, c'est comme ça que ça se passe, pas autrement. Allez, allons-nous-en dans la forêt.